passe le temps et qui glisse entre les intempéries, c'est bien le Père Noël. Si vous passez par la rue du Chaudron, vous ne pouvez pas les manquer. Ici, un culte païen est voué au Père Noël. Tout a été vu en grand et en nombre pour honorer le bonhomme en rouge. Hansen compense ainsi la frugalité des Noëls de son enfance. C'était surtout des oranges, une boîte, chocolat, enfin voilà. Bénéficie de conditions techniques plus rustiques, pas de rennes ni de traîneaux pour nous. On fête Noël avec tous les gens qui viennent nous voir pendant un mois. Quoi. Voilà, on essaie de leur donner du plaisir autant qu'on peut. Donc c'est Noël avant Noël et Noël voilà, après Noël ça. Aussi. C'est ça. Et c'est pas possible normalement. Non, mais c'est quand même plus intense pendant cette période-là quand même. Tellement intense que le Père Noël, le vrai, en personne, s'invite chez Hansen et Gretel. Alors la chambre du Père Noël, c'est déjà son lit. Il y a son lit, il y a les coussins, il y a des objets, il y a tout ce qui permet de décorer les sapins. Ouais, c'est rester dans les traditions, dans les couleurs de Noël. Voilà. Apporter du plaisir, enfin c'est ce que je ressens en partant. Merci, donc voilà. Bah, moi par exemple, je Noël chez moi, c'est étant jeune, j'ai aucun souvenir de Noël moi, donc forcément on se rattrape un peu maintenant, Isabelle et moi. Donc. Histoire que chaque commerçant s'efforce de renouveler chaque année. Notre route 67 aujourd'hui sur le chemin de l'artisanat. Nous sommes ici en plein cœur du Carré d'Or, au pied de la cathédrale à Strasbourg, pour vous raconter l'histoire d'un magasin Hansen et Gretel qui a décidé de créer sa propre marque de vaisselle et de poterie fabriquée à Soufflenheim, le Made in Alsace en quelque sorte. C'est beau ce qu'on a. C'est beau, hein, oui. Vous avez envie de tout acheter, c'est ça? Bon, Isabelle, ferme la porte, nous avons deux clientes pour la journée. Il est un personnage bien connu dans le quartier. Et c'est ici que l'histoire a commencé, que dans ce petit magasin, une nouvelle vie a débuté pour les occupants des lieux, Hassan et Isabelle. Lui était chauffeur-livreur, elle commerciale, mais il y a 8 ans, ils ont changé de vie pour devenir Hansen et Gretel. On a un ami qui est curé, c'est assez marrant, et cette personne a trouvé Hansen et Gretel. Un soir, nous a envoyé un texto, tiens, moi je vous vois bien, Hansen et Gretel. Donc, et Isabelle disait, oui, c'est pas mal, mais je pense qu'il manque quelque chose, il faudrait rajouter, et finalement, la maison de Hansel et Gretel. Et c'est comme ça que c'est parti. Spécialisé dans la décoration d'intérieur, notamment pour les fêtes de fin d'année, quand ce magasin se transforme en maison du Père Noël. Les deux artisans ont décidé de lancer leur propre marque de poterie et de vaisselle. Et dans leur logique du Made in Alsace, ils ont démarché les potiers de la région avant de trouver le bon. On est allé voir pas mal de potiers, à Soufflenheim notamment, et pour la plupart, c'était assez difficile à peindre sur leur poterie. Alors, c'est une rencontre qui va changer le destin d'Hansen et Gretel, et créer dans le même temps de l'activité pour un autre artisan alsacien, la poterie Beck. C'est ici, à Soufflenheim, qu'ils font fabriquer leurs plats, terrines et vaisselle.
Le moule que vous voyez là, on va l'utiliser, on va presser jusqu'à ce qu'il casse. C'est-à-dire on peut fabriquer des fois 5000 pièces, des fois que 2000 pièces. Une fois que ce moule en plâtre est fissuré, ben on l'enlève, on le casse et on recoule un autre moule dedans. Des plats qui sont ensuite personnalisés à la demande de ses deux clients en reproduisant le dessin, un vrai travail d'artiste. Donc là, c'est la version un peu plus simplifiée avec le bras qui part à l'arrière. Isabelle est venue avec les dessins d'origine. Puis après, nous, on essaie de voir ce qu'on peut faire, enfin, ce qui est possible de faire aussi à notre niveau. Vu que tout est fait à la main, c'est toujours un peu compliqué. Après, on ne peut pas faire des chromos, ça ne peut pas être exactement le dessin d'origine, mais on s'en rapproche plus ou moins. On aime bien toujours faire des nouvelles choses. Et puis, bon, les personnages sont chouettes, sont sympas, ils sont amusants, ils sont beaux. Les couleurs que vous voyez là, eh ben, elles apparaîtront, les couleurs réelles, une fois que c'est cuit. Ouais. Hansen et Gretel, les deux personnages, vont ainsi prendre vie dans ces ateliers après des heures de travail. Quelques centaines de pièces vont sortir des moules, une fabrication régionale voulue par le client, loin du made in China, qui fait tant de mal à ce secteur en crise. C'est ce qui nous permet de tenir, hein, parce qu'actuellement, c'est vrai que la crise, elle est partout, on le ressent aussi. Et c'est grâce, effectivement, aux différents décors que vous avez pu voir dans le magasin, les choses qui sortent de l'ordinaire, on arrive à survivre grâce à ça. Une relation directe entre artisans de la même région afin de promouvoir le Made in Alsace, même sous les assiettes. Au premier étage du magasin, les nappes sont ainsi entièrement faites à la main. Chaque jour, dans son petit atelier, Isabelle en coud une quinzaine. En fait, au départ, je vendais des nappes fabriquées ailleurs. Et je me demandais toujours comment ça allait être quand la dame elle allait rentrer chez elle et elle allait laver sa nappe. Comment elle allait... Enfin, c'était vraiment de la bonne qualité. Et je trouve que c'est une fierté de vendre un produit fait en Alsace, en fait. Je veux dire, quand j'ai une cliente, je suis fière de lui montrer qu'il y a une étiquette où il y a marqué 100% fait en Alsace. Localement, ils ont fait le pari du savoir-faire alsacien, au détriment sans doute d'une meilleure rentabilité financière. Mais l'essentiel est ailleurs. Pour Hansen et Gretel, ils veulent avant tout que leur nouvelle vie professionnelle devienne en quelque sorte un joli conte.